Bonsoir, bon mercredi, c'est Pierre Vincent qui vous souhaite la bienvenue à En attendant Ben Laden, votre divertissement hebdomadaire sur l'actualité et la vie. Et avec moi, mes amis, mes collaborateurs, Jean-René Dufort en forme. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est en forme? Je suis né en forme. Ben excellent, et Chantal Lamarre en forme. Ah. Les gars, je dors en forme, je ne ronfle pas, je ris. Ah, c'est oui. Superbe. Alors, place aux variétés Brassard. Ouais. Nouvelle sur la scène provinciale, ben c'est dimanche dernier que se tenait l'investiture d'André Beaubonhomme-Boisclair dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles-les-Bains. Alors cet événement passionnant qui aurait dû attirer les foules les a au contraire fait fuir, comme en témoignent ces images. Malheureusement, les gens de Pointe-aux-Trembles se sont plutôt rués vers les cafés et les écrans les plus près afin de regarder la finale de la Coupe du monde. Donc, c'est un Boisclair plutôt penaud qui s'est retrouvé seul à son couronnement suite à cet abandon massif. Des images magnifiques tournées par le docteur Régent Thomas le prouve en ce moment. Et pourtant, M. Boisclair venait d'apprendre une excellente nouvelle provenant de Paris. Et ici, là, je ne parle pas du fou rire des Français devant les tenues de montgolfière dégonflées de la mairesse Boucher, mais bien sûr des succulentes déclarations de Frisou Charest. Et pour nous donner plus de détails sur les dites déclarations, Jean-René Dufort! Oui! Bonne semaine! Ben oui, bonne semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean Charest? Est-ce que qu'il se passe? C'est le décalage, mais il a déclaré ceci. On écoute. La question aujourd'hui, en 2006, n'est plus de savoir est-ce qu'on a les moyens financièrement, est-ce qu'on serait... Oui, nous avons les moyens. Ça, personne ne remet en question. Ouf! On a les moyens! Alors, qu'est-ce qui se passe? Et M. Charest, calmons-nous, a été pris d'un mal qui est très populaire. Il est le mal du politicien en vacances. C'est-à-dire? Pas en vacances, plutôt en voyage. Oui, oui. On mélange. Il travaille, mais c'est vrai. Alors, les politiciens en voyage ont souvent tendance à se lâcher lousse et à dire des choses que normalement, ils ne disent pas ici. Parce que, bon, ici, les journalistes... La pression est moins forte! Ben oui, puis les journalistes les connaissent et puis ils sont moins stressés d'être devant un journaliste qui ont l'impression qu'il veut les planter. Mm-hmm. Donc, ils s'ouvrent et ils disent ce qu'ils pensent. Trop détendu. Mm-hmm. Et c'est pas le premier, d'ailleurs. Ah, ça, non? Non, non, qui a fait ça. Si vous vous rappelez, ton ami, Robert Bourassa... Ben oui, mon pantard. Ben oui, en 1992, Robert Bourassa... Non, parce que c'est pas ma promotion, là, c'est Yves Pelletier, notre invité. Oui, oui. Bon. Alors, Robert Bourassa, à Bruxelles, qui avait évoqué la possibilité d'un référendum et d'un Québec indépendant, on écoute... Spontanément. Ben oui. Une souveraineté partagée, c'est-à-dire une souveraineté dans un cadre confédéral. Oh, ouais. Ça se laisse aller, hein? La liberté en voyage. Et là, il y en a d'autres. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le premier ministre japonais, M. Koizumi, qui a imité en voyage Elvis. C'est comme Elvis Wong devant George W. Bush. Vraiment... Il était à Memphis, donc il était pas chez lui. Regardez, il est en voyage, puis oh! Hey, c'est-tu détendu, ce monde-là, puis ça grisonne, hein? Oh, mon Dieu, je suis plus lousse qu'au Japon, je suis en voyage. Pour une fois, George W. Bush, je suis presque aussi mal à l'aise que lui. Oui, les Presley en arrière. Il y a eu Jean Chrétien, qui est un champion de la slaquer en voyage. Oui, oui, oui. On peut le voir ici avec le premier ministre de Chine. Qu'est-ce qui se passe? Il découpe, là. Hop, on va faire une petite joke de voyage. À quel pompon sa tête! Oh, alors c'est lui qui devrait te porter! Mais non! Quel blagueur! Et selon moi, la palme du politicien en voyage qui se lance lousse, c'est George Bush, père. Ah, oui. Le père de... Ben oui, il avait ni plus ni moins que vomi sur le premier ministre japonais. C'est en 1992 que ça se passe. Et là, vous voyez George Bush qui se lève en disant « Wow, je suis correct, il n'y a pas de problème! » Il a pris pour ça. Non, non, mais ça, non seulement il a été applaudi, mais cet incident diplomatique-là du premier ministre qui se fait vomir dessus par un président a donné lieu à la création d'un nouveau mot au Japon qui est « bushuru », qui veut dire « vomir sur quelqu'un ». Ah oui, vomir sur quelqu'un. Une création d'un nouveau mot. Alors, la mairesse Boucher, qu'on s'énerve qu'elle est en France, c'est la seule qui reste normale, qui est aussi weird en voyage qu'au Québec. Oui, oui, elle a une bonne moyenne. Oui, merci beaucoup, Jean-René. Hey, bravo! Et parlant de nouveaux mots, alors il y a une grosse nouvelle dans le monde de la langue cette semaine. En fait, on apprenait que le moteur de recherche Google fera son apparition dès cet automne dans le dictionnaire en tant que verbe. Alors, c'est ainsi qu'on pourra décliner tous en chœur l'indicatif présent. Nous googlons, vous googlez, il google. Alors,
Bien, plus près de nous, il y a en effet, c'est un fait qui est moins connu, il y a d'autres verbes qui font leur entrée dans le dictionnaire. Alors, c'est le cas du verbe « récéphère ». Ah, récéphère. Ah, oui. Bon, ça va donner au présent du subjonctif. Bien, facile, que je reste faire, que nous restions faire, que vous restiez faire. Également, de la populaire expression « de que sais-tu fait à soir ». Alors, ouais. Naîtra le très, très beau verbe « de que sais ». Ouais. Alors, verbe qui se déclinera ainsi au présent, « je de que sais que ». Tu de que c'est que c'est, il de que c'est que c'est, nous de que c'est que sont, vous de que c'est que c'est, il de que c'est que c'est. Ah. Bon, enfin. C'est pas facile. Bref, c'est une excellente nouvelle pour les amateurs de Scrabble, mais une mauvaise pour Peter McLeod. Alors, on le sait, le milieu du cinéma québécois, par ailleurs, est en plein tourment depuis quelques semaines. C'est abondamment dans les journaux, on en parle. Même Robert Lepage a abdiqué devant le manque de fonds en mettant la clé dans la porte de sa compagnie de films. Alors, pour discuter de cette épouvantable crise financière, nous retrouvons en exclusivité Denis Arcan, qui erre présentement quelque part. Denis, vous êtes où en ce moment, M. Arcan, là? Vous êtes où, là, extérieur? Eh bien, Pierre, comme vous le savez, je suis présentement là, dans la rue pour boucler le financement de mon prochain film, L'âge des ténèbres. Vous quêtez, mon Dieu! Monsieur, vous auriez pas un petit 30 sous là, pour un réalisateur oscarisé? Allez-y. Bonne journée quand même. Mais ce manque de fonds, concrètement, qu'est-ce que ça implique, ben, Denis? Ça veut dire que je n'ai plus d'éclairage. Ah! Alors, je vais être obligé de demander à Denise Robert de parquer son SUV devant la scène. Ouais. Puis de se mettre sur les hautes. À ce point-là? Ben, c'est rien, ça. Je devrais également jouer tous les seconds rôles non. moi-même. Oh, ça, c'est impressionnant. Attention, L'âge des ténèbres, scène 1, prise 1, action. Oh, bonne lumière! Pipé. Ouais, ça, c'est... C'est la bonne. On la garde. C'est impressionnant. Mais anyway, oui, on n'a plus de pellicule. Mais c'est terrible, ça! C'est terrible. Attendez, c'est pas tout, là. Mm. Je devrais moi-même composer la bande sonore de mon film. Alors, ça va ressembler à ça qui joue en boucle. Ah bon? Ah, ben bravo, c'est très bien, vous chantez bien, hein? Bravo, bravo. Mais quelle injustice, est-ce qu'il y a une solution? Sérieusement, à vendre un de mes reins, le Ah oui? Ben, merci beaucoup, M. Arcan. Bonne chance dans cette épreuve. On est avec vous de tout cœur, hein, n'est-ce pas? Merci bien. Oui, d'accord. Un peu d'accord, M. Frappier, s'il vous plaît. Continue à guetter. Mme Larouche. Ben, oui. Ah, Bernard Raymond, toi, t'en as de l'argent, t'es plein de cash. Donne-moi-en un peu là, pour la scène où Marc Labrèche se bat dedans la boue avec deux grisiers. Ah, c'est assuré. Ben, merci beaucoup, M. Denis Arcan. Merci, hein? Pas chanceux. Eh bien, grosse nouvelle dans le domaine du gros gratrans. On apprenait cette semaine que, selon les spécialistes, l'assiette canadienne est menacée. Ce qu'on mange, c'est pas très bon. Alors, pour nous dégorger l'information, la toute adipeuse Chantal Lamarre. Oui! La slim. Oui. Bon, racontez-nous ça, là, dans mon assiette, c'est pas bon, qu'est-ce que je mange, mes habitudes sont carrées, elles sont pas bonnes. Vous les voyez bouchourou sur la table. Oui, oui. Bon, ben, depuis vendredi dernier, on a connu les résultats de l'enquête qui avait la plus importante depuis 35 ans sur ce que mangent les habitudes alimentaires des Canadiens. On a interrogé 35 000 Canadiens et nous étions stupéfaits d'apprendre que la plupart d'entre eux ne déjeunent pas assez bien, consomment pas assez... Ça, c'est souvent ça. Oui. Mais on le savait un peu, mais pas quand même. Pas assez de fruits et de légumes, fait que ça va faire les fruits et patates frites. La poutine est un mets végétarien. Absolument, c'est plein de fromage. Vont trop souvent manger de la restauration rapide. Et voilà, le quart de leur apport calorique aux Canadiens en moyenne, vient de ce qu'on appelle les autres aliments. Ils ne consomment pas ce qu'ils devraient manger. Et ce que j'entends par autres aliments, là, ben, c'est en fait, c'est ce qu'on a toujours le goût de manger. Comme ici, l'excellente... Quand on a très, très faim, on veut manger des Mais légumes. Même quand on n'a pas faim, l'excellente traditionnelle tarte au suif. Montrez-nous donc, ça. Ben, moi, je me sacrerais à la face dedans. Là. Tarte au suif. J'attendais, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans une tarte au suif? Ben, du gras de l'or et puis du suif. Et puis l'oreille de Christ aussi, délicieuse en écoutant Bon Baiser de France. Ben oui, c'est très bon. Mais là, il faudrait arrêter de faire ça. Bon, c'est ça. Le problème, c'est que les Canadiens sont aussi des grignoteux. Ah oui? De s'en rendre pas compte. Bien là, on voit des images de quelqu'un qui est... qui grignote pas mal. C'est peut-être pour nous donner un choc ici. Bien, c'est le Japonais qui s'appelle le Kobayashi. Ça fait 6 ans qu'il gagne le Nathan's Famous Hot Dog Contest. Il en a mangé cette année 53 et 3 quarts. Alors, c'est pour nous montrer que c'est Donc, une mauvaise habitude. Donc, au Canada, on a l'air de ça. Ben oui, mais dans l'après-midi, là, pour un petit encore, il ne faut pas faire comme M. Kobayashi, parce que lui, il n'a pas l'estomac comme nous autres. OK. Mais moi, c'est parce qu'il me donne la faim. J'ai l'impression qu'il a même l'estomac de la même couleur que sa casquette. Oui! Oh, il est content. 3, 3, Donc, 4. Ça, on laisse tomber ce Une autre chose que l'étude a révélée, c'est que
On est supposé de prendre moins de calories qu'avant, mais l'obésité monte en flèche. Que se passe-t-il? Mais oui, que se passe-t-il? Comment expliquer ça? On dit que peut-être on balaye un peu de la calorie sous le tapis, dans le sens qu'on ne réalise pas exactement ce qu'on mange. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous donner un exemple de ce qu'aime le Canadien moyen. Oui. Quand il a envie d'un bon petit café l'après-midi, en cas de coup de barre, un mocha chinoretto glacé. OK, parce que qu'est-ce que c'est, ça? Ah, bien, c'est tout simple. C'est à partir d'un bon café. OK, son ouais. café fait, normal, on trouve un café ça à la maison. Oui, parce que ça, on trouve ça vraiment bon. Bon, bien, c'est ça, on a le droit de sucrer quand même un peu son un café. Un peu légèrement. Ça s'approche du cappuccino glacé. Absolument, on un peu de beurre, juste pour que ça soit plus onctueux. Ouais. Évidemment, c'est toujours meilleur parfumé un peu à l'alcool. Alors, amaretto. Amaretto. Tu sais, Jean-René, tu finiras ça pendant la pause, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Un bon sirop de chocolat aussi là-dedans. Tiens, on va y aller. Juste pour la petite saveur. Ben, de la saveur chocolatée, parce que c'est tellement meilleur. Quoi d'autre? Évidemment, ben moi, j'irais avec la crème fouettée parce que ça décore très, très bien ce qu'on est en train. C'est ce qu'on voit des gens prendre ça le matin comme déjeuner. Exactement. Là, ça va spinner. Donc là, on mélange tout ça. On mélange tout ça, on arrête. Et je vous le dis, mes amis, vous allez 26 pour 000 vrai. Calories de là, pur. Là, vous n'êtes pas vis-à-vis extase. Le petit trou. Vous allez mettre le petit vis-à-vis. Une chance c'est que ça. Vous êtes là pour m'expliquer vous comment engraisser. Fonctionne un mélangeur. Bravo. Et merci. Vous goûtez vraiment. Wow, ouais. Parfait. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça goûte? C'est délicieux. Délicieux. Ah, merci beaucoup. Chantal là-bas. Canadien. Bon. International maintenant, eh bien, onde de choc au Yémen, alors qu'en pleine période électorale, un candidat a été brutalement écarté de la course à la présidence à cause de sa taille. C'est par pure discrimination de gabarit que Yahya al-Gader, alias le Yémen nain présidentiel, voit son rêve s'évaporer. Alors, au Yémen, pour entrer dans le manège politique, c'est pas compliqué, il faut mesurer plus de 30 pouces, alors que le Yémen nain n'en mesure que 28. Il partage donc les mêmes frustrations que des dizaines de milliers d'enfants qui, chaque été à la ronde, se font refuser l'accès à certains manèges. Alors, plus près de nous, on n'a rien à envier au Yémen, puisque nous avons, nous aussi, notre Yémen nain. Comme on peut le voir sur cette photo, en effet, c'est bien sûr Mini Patapouf que l'on voit ici, flanqué de l'ex-président sénégalais, le grand Diouf. Hey, pas grand. Non, pas grand, monsieur. Il est à noter que la taille minimum exigée au Québec pour être premier ministre, c'est 52 pouces. Rappelons que c'est cette seule et absurde règle qui empêche Éric Lapointe d'être premier ministre du Québec. Ah. Foutu taille. Nouvelle sportive, bien sûr, la victoire de l'Italie à la Coupe du monde de soccer, mais ce qui retient surtout l'attention, c'est l'inexplicable coup de bouc en rut de Zizou alors qu'il chargeait son adversaire tel un client sous au bar Le Foisier Laval devant le poitrail d'une Samantha Fox locale. Alors, Zidane s'est simili expliqué en fait aujourd'hui en déclarant ceci. C'est, ça serait très grave, en fait. C'est des choses qui... Voilà, en fait, c'est des choses très personnelles. Donc, ça touche à votre... Oui, j'insiste un peu, parce avec que... la maman, la sœur, enfin... La maman, la sœur... Et puis, c'est des mots très durs, quoi. Bon, il a fait de la peine à sa maman. Est-ce que c'était un motif valable? Alors, voyons ce qu'en pensent nos experts. C'est le tour des fous. D'abord, Ron Fournier! Popi. Zizou. Il est malade. On rentre pas dans le torse du monde de même. Ça se fait pas. C'est pas poli et on demande avant. Pas demander, ça se fait pas. Ça se fait pas. Qu'en pensez-vous, François Paradis? Ben oui, hein, c'est ça. Ben ici, on a plein de courriels. Hein. Il y a Zinette là, qui réagit. Zinette Dissodone ici, qui est vraiment pas d'accord avec le zeste de M. Zinedine Zidane, là. Alors, Zinette est contre ça, la violence, même si elle connaît pas le soccer, qu'elle a pas vu le match, et que pour elle, la France, c'est une animatrice qui donne des becs, et l'Italien, un spaghetti meatball. Alors, mais là, Zinette a réagi, hein, comme vous, elle croit que c'est pas fin, là, ce que dit le Pavarotti à M. Zidane, hein, parce que Zinette a une opinion surtout, même si elle ne sait pas c'est quoi une opinion, elle tenait absolument à la partager. Vous êtes nombreux, vous, à réagir. Alors, bravo, Ginette. Vous continuez de nous écrire et sur ce, je cède la parole à Benoît Dutrisac. Ben, moi, vous le dire, moi. Qu'est-ce que dit? Il a dit... Deux points, ouvrez les guillemets, il a dit « Toi, ma face de falafel à marde, mon chiqueux de pois chiche, mon chiche ta hoc en short, si tu me passes pas en ballon tout de suite, je te sac mon tour de bras en plein en face. C'est-tu clair? Pas fin, hein? Comment on répond à ça? Pareil bon coup de cocobonne dans le plexus solaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jacques Demers? D'abord, c'était dit.
C'est très clair, là. On a affaire à deux gars en manque flagrant de sulfate de glucosamine. Et quand on manque de glucosamine, les fils se touchent. Mis à part ça, j'ai une de mes sources sûres, quelqu'un qui parle italien dessus les lèvres, qui me dit que le pouffin d'italien a vraiment dit à Zigzag Tisane exactement à peu près ça. Donc, alors, c'est clair, c'est précis et c'est pas fin. Alors, les jeunes à la maison, on dit pas ça, sauf à ses parents. Ben, c'est à peu près tout ce qui s'est passé cette semaine. De retour après la gigolette exotique. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'on a comme émission ce soir? Un excellent menu, une émission danse. Ah, effrayant! Ben, je vous donne tous les trucs pour monter une grosse fresque historique dans votre patelin avec tous des petits moyens. Et puis, nous recevrons un humoriste, réalisateur, comédien et collectionneur de Hermès, M. Yves Pelletier. Yay! Jean-René! Ben, moi, je vais paranoïer nucléairement avec le journaliste Normand Lester. Et au labo, je vous fais découvrir des activités avec les tout-petits pour les jours de pluie. Oh. Mais non, c'est pas vrai. On fait exploser Chantal. Oh, au retour de la pause, tout ça. Et en exclusivité, la véritable dernière entrevue de Thierry Ardisson. Et Normand Lester fait son comeback à Radio-Canada, tout de suite après la pause, en attendant Ben Laden. En attendant Ben Laden, on va vite parler. Vous l'avez peut-être vu, mais c'est hier qu'avait lieu la dernière émission sur TV5 de la très populaire émission Tout le monde en parle, animée par le suave et non moins suffisant Thierry Ardisson, dit le canard en Hugo Boss. Alors, en exclusivité ce soir, en attendant Ben Laden, voici sa véritable dernière entrevue. Ouais, 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 salut! Pour ma dernière entrevue, j'accueille Sœur Angèle! Allez, viens t'asseoir, petite religieuse d'outre-Atlantique. Bienvenue à Tout le monde en parle, Sœur Angèle. Vous avez du mal avec votre casque, mais bienvenue sur ce plateau. Merci de m'accueillir, Monsieur Thierry. Je suis contente de venir dans Paris, la capitale du saucisson. Ouais. Parce qu'il faut bien le dire, il y a aussi du bon fromage. Ouais. C'est important de manger des bonnes choses. Sœur Angèle, c'est très intéressant. On va faire votre bio. Hein. Vous êtes née en Italie en 1938, hein, élevée par une chèvre qui abuse de vous. Ah. Ensuite, à l'âge de 12 ans, vous êtes impliqué dans le trafic d'armes. Ah, je penserais pas ça, par exemple. Oui, elles disent tout ça, les salopes. Bon, ensuite, à 16 ans, dans une boum à Bologne, vous rencontrez Dieu. Oui. C'est l'amour fou, vous l'épousez, c'est parti. Ah, ça c'est exact. Ouais. Et je l'aime toujours autant. Ouais. Comme le dit la chanson de René Martel, c'est un amour qui ne veut pas mourir. Ouais. J'aime aussi beaucoup les fettuccini Alfredo, ce sont mes deux passions. À condition que ça soit fait de la bonne crème fraîche. C'est très touchant, on en reparlera un autre jour. Suite de la bio, en 56, vous arrivez au Québec pour une fulgurante carrière culinaire et là, pouf, plus rien. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? La dope, le crack? Non! Je me suis fait tasser de la TV par deux femmes plus jolies que moi. José Distasio et Ricardo Larrivé. Taisez-vous, on ne veut pas rien entendre. Sœur Angèle, vous êtes religieuse. Oui. Donc, pas compliqué. Entrevue non! Très bien! Merci la foule que je méprise. Alors, Sœur Angèle, eau bénite ou calvados? Ah, crème de menthe, mais verte, par exemple. J'ai une excellente recette qu'on peut faire avec ça, c'est sur la version. Oui, d'accord. Sœur volante ou volage? Capricorne. Bon, vous couchez le premier soir? Non, seulement le deuxième. Blanquette de veau ou pizza pochette? Ah, ça, j'aime tout ce qui va dans la bouche. Je suis pas raciste au niveau de mon manger. Oui, mais je voudrais vous rappeler de toujours choisir les bonnes. On n'a plus le temps, c'était Sœur Angèle. Ne manquez pas tout l'été, Sœur Angèle, dans Assis, mon moine. C'était Tout le monde en parle. Merci beaucoup. Notre prochain invité, c'est un journaliste d'enquête qui fait freaker tout le monde depuis qu'il écrit des livres noirs. Mesdames, messieurs, Normand Lester est avec nous! Oui! Ben, me
Monsieur Lester, bienvenue dans notre asile. Ben oui, on est déjà allé, j'étais là l'année dernière, et puis vous l'attendez toujours, Ben Laden? Toujours. Ben, ils l'ont pas trouvé, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais de ce temps-là, il y a moyen de se divertir sur la planète. On pourrait commencer avec Kim Jong-il, qui arrête pas de lancer des missiles. Il lance des missiles, mais les missiles volent environ 44 secondes avant de tomber dans la mer. Hein. C'est pas très menaçant. Ben, c'est ça, moi, je trouve que la planète panique, mais la planète devait être rassurée parce que son fameux missile, là, c'est le Taipodong 2, porté évalué à 15 000 km, a volé 499 km en 42 secondes. Il a fait 3,3% de sa... Donc, ça devrait nous rassurer. Donc, il n'y a pas vraiment les capacités. Et malheureusement, les ingénieurs qui ont conçu le missile ne doivent pas être en vie aujourd'hui parce que Kim Jong-il n'a pas dû aimer ça du tout. Et comme vous savez, c'est un dictateur et c'est un maniaco-dépressif aussi. Et il a dû faire une colère terrible lorsqu'il s'est aperçu que son célèbre missile ne volait pas. Et la preuve, c'est qu'il en a tiré immédiatement 6 autres pour compenser cet échec-là. Pourquoi il a tiré ça? Qu'est-ce qu'il veut? Il a besoin de nourriture et il a besoin de l'aide de la communauté internationale parce que son pays est en état de faillite. L'immense majorité de sa population n'a pas de quoi à se nourrir parce que prioritairement dans ce pays-là, on nourrit d'abord les militaires et s'il en reste, ça va à la population civile et d'abord aux élites dirigeantes. Donc, ce sont les Nations unies, la communauté internationale qui nourrit le pays. Et puis, il a besoin de faire peur au monde parce qu'effectivement, il possède probablement 2 ou 3 bombes atomiques et puis il possède des missiles qui ne volent pas tellement bien. Mais dès qu'il en tire un, on sait qu'il y a une bombe atomique et ça fait peur au monde. Et il fait du chantage comme ça. Mais quand on dit « moi, je vais avoir de la nourriture, donc je vais tirer des missiles », c'est l'espèce de logique entre les deux. Ben oui, c'est la logique en tout cas qui fonctionne parce qu'à chaque fois, les gens se précipitent à Pyongyang et puis on lui offre d'autres nourritures, on lui offre d'aider son économie et c'est ce qui permet au pays de vivre. Hein. C'est comme un enfant qui fait des menaces, qui se met à pleurer. Pour avoir la paix, ben on lui donne ce qu'il demande. Et c'est comme ça que ce régime-là dure. Hein? Et c'est une dictature communiste qui a été fondée par son père, une dictature communiste héréditaire. Il faut le faire. Hein? Puis son père est considéré presque comme un dieu. Lui-même, d'ailleurs, dans sa biographie, on dit qu'au moment où il est né, il y a eu un double arc-en-ciel qui s'est développé dans le ciel et qu'une nouvelle étoile est apparue. Donc, pour les Nord-Coréens, là, c'est un demi-dieu. C'est pas un grand dieu parce qu'il mesure 5 pieds et 3, oui. À peu près 160 cm. Il porte constamment des semelles compensées pour se grandir un peu. Et c'est un amateur de basketball. Il possède même un ballon signé par Michael Jackson. Il aime donc les grands hommes, mais aussi les grandes femmes. Hein. C'est un type qui a eu... s'est marié à plusieurs reprises. Il y a... par exemple, il possède 14 résidences dans le pays et dans chacune de ces résidences-là, il y a 22 domestiques, c'est-à-dire des jeunes et grandes et belles coréennes qui l'attendent chaque soir et ils se déplacent d'une résidence à l'autre. On comprend pourquoi il est affamé. Ben oui, mon Dieu, c'est dur le métier de dictateur. C'est extrêmement dur. Et puis, il possède également 100 voitures. Il n'achète jamais moins de 4 voitures identiques. Parce que quand il se déplace en convoi pour éviter les attentats, bien, vous allez voir 4 Mercedes identiques qui se déplacent et vous ne pourrez pas savoir sur laquelle viser, ou 4 Rolls-Royce ou 4 Cadillac. En tout cas, il possède 100 voitures étrangères de ce type-là, mais jamais, il n'en achète jamais moins de 4 identiques. Bien, vous venez de nous donner le goût de devenir dictateur d'un pays. Bien, merci beaucoup, M. Lester. Ça m'a fait plaisir. Merci, M. Lester. C'était l'ami Normand Lester, mesdames, messieurs. Eh bien, c'est temps d'une pause. Au retour, il y aura Chantal Amar qui nous donne une bonne leçon d'histoire. Ça continue. En attendant, Ben Laden. En attendant, Ben Laden, je mange mes émotions. Le nouveau jeu favori qui passionne le Québec, la réponse est dans la question. Sophie Pomeroy de l'Inde. Woo!
jeu est très simple. Il y a un journaliste, un animateur qui pose une question brillante à son invité. Et bien, nous, on tente de deviner la réponse. Et le bilan jusqu'à présent, c'est 0 en 9. Commentaire, je vous regarde même pas. Ben là, ça n'a pas de bon sens. Là, des il faut que vous marquiez, là. Mais oui, mais là... Vous allez vous concentrer. Ce soir, ça va être facile. C'est à nouveau notre ami Yves Corbeil. Non, ah, pas Yves Corbeil. Ah, ben là, oui, difficile. Oui, il n'y en a pas des faciles, lui. Yves Corbeil, c'est concurrent de La Roue chanceuse en vacances, qui est une excellente émission sur la route qu'on retrouve. Donc, on écoute attentivement la question d'Yves Corbeil. On se concentre. Vous avez gratté le billet, vous avez fait ça, mais qu'est-ce qui tourne la roue, donc? C'est Steph. C'est moi qui va tourner la roue. C'est toi qui tourne la roue? Bon, OK. Est-ce qu'on se sent prêt à tourner la roue? Oh! Suspense. Est-ce qu'on se sent prêt à tourner la roue? Jean-René, c'est une très bonne question. Quelle serait la réponse? Ben pour moi, il va dire non. Pourquoi on reste pas assis là, puis donne-moi tout de suite 100 000? OK. C'est une possibilité. Chantal? Bon, j'essaye ça. Il va dire non. Tu peux de la dent, toi, Yves Corbeil. Ça fait 70 ans que tu fais ça, puis t'es riche. Bon, B. OK, donc à la question, est-ce que vous êtes prêt à la tourner, la roue? Ah, non, je reste assis, puis donne-moi mon 100 000 de suite. Ouais. B, j'ai écouté ce que tu as dit. Tu fais tellement d'argent que tu es capable de la tourner toi-même. C'est ça. À peu près. C'est bien résumé. On écoute la véritable réponse. Souhaitons que ce soit ça. Est-ce qu'on se sent prêt à tourner la roue? Oui, oui, oui. Oh! Oh! On a perdu 100 connaissances. Comment on peut gagner ces affaires-là? Ces deux-là? C'est des questions minutieuses. Je veux un point la semaine prochaine. Ça n'a pas de bon sens, là. Il va y avoir un chèque, mais il va cacher l'adresse. Ben ouais. OK. Voici maintenant une fabuleuse femme, Chantal Labarre, en toute humilité. Chantal, j'ai dit le mot fabuleuse. Il y a un volet historique, me semble, dans cette présentation-là. Bien, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Si on voyage un peu au Québec, il y a des grandes fresques historiques, shows à grands déploiements un peu partout, comme le Paradis du Nord en Abitibi, qui retrace l'histoire de l'Abitibi, de l'ère glaciaire jusqu'à la naissance de Pierre Brassard. Ouais. Oui. Il y a la fabuleuse histoire aussi. Il y a Cosmogonia, il y a les légendes fantastiques. Oui. C'est des succès fous, ça. C'est des succès fous. Et puis, vraiment, là, on relate une grande partie de l'histoire. Je me suis dit, à Montréal, qu'est-ce qu'on a? Rien. Formule 1, festival de jazz, mais je veux qu'on ait, nous aussi, notre grande fresque historique. Ben, et puis ce plaisir. Soir, ben, on en a composé une en attendant Ben Laden qu'on va présenter comme en avant-première. Vous êtes bien méchanceux d'être avec ici. Avec des bons moyens. Là, avec la grande avant-première. Avec de grands, grands moyens. Et c'est vraiment la fabuleuse histoire du quartier Ville-Marie, dit le Faubourg Ramlas. Ah. Bon, ben on s'est invité, qu'on t'accompagne. Oui. Et on fait disparaître nos vestons avec des costumes d'époque. Oui, voilà. Bon, alors, en général, la lumière baisse pour beaucoup, beaucoup d'ambiance. Et puis on entend la belle grosse voix caverneuse. Attendez, je suis encore un habitant. Oui, oui, il y a une voix caverneuse qui arrive dans ça. Il y a toujours un habitant de Prissavin, là. Et la voix, là, c'est celle d'un grand acteur pesant, là, tu sais, qui nous fait une narration comme celle-ci. Bonsoir, je me présente. Je suis la grosse voix off pompeuse de cet événement, commandité par Hydro-Québec et Budweiser. C'est en 1840 que naquit le quartier de Montréal dit Sainte-Marie. Certains prétendent que c'est le courant du fleuve qui passe à cet endroit qui inspira ce nom. Nous prétendrons complètement autre chose dans quelques secondes. Oui. Et là, en général, le spectacle commence avec un brave paysan là, qui a des mauvaises dents. C'est pas un costume, il est comme ça. Et il avance seul avec une charrette. Va chercher ta charrette. C'est vraiment un paysan, donc. Oui, c'est un paysan, mais c'est aussi un bénévole du coin. Alors, il arrive et là, il va nous déclarer une belle réplique en vieux français. Une noix, c'est quasiment pas croyable. Et là, il s'en retourne. Et le bénévole est le cousin de quelqu'un dans la salle. Et il y a aussi l'esthéticienne qui joue une fille du roi et le maire qui joue l'ancien maire. Tout le monde s'implique, Chantal. Et tout le monde joue avec cœur là-dedans. Et là, il y a des animaux. Et là, pour les biens de la cause, on a cherché à louer des chevaux toute la semaine. Ouais. Et voici ce qu'on a trouvé, nous, ici. Qu'est-ce qu'on a? À la fabuleuse histoire du quartier Ville-Marie. On a des moyens. C'est quoi? C'est un dromadaire? C'est un dromadaire. Jérôme, le dromadaire. Et là, il y a aussi de la pyrotechnie là-dedans. Alors, pendant que je fais des effets saisissants, Pierre va continuer à nous dire un bout de la fresque. D'accord. C'est encore moi, la grosse voix grave, qui veut vous entretenir de quelques faits soporifico-historiques. Qui ne nous intéressent pas. Comme nous avons un soldat écossais sous la main, ainsi qu'un soldat français, nous allons nous en servir. Oui! Et là, c'est là le moment vraiment passionnant, trépidant, parce que les deux soldats, l'écossais et le français, vont se battre pour le territoire! Howard, Chile! Fallait se faire!
mettre du sang! Ah ouais! On veut du sang! Amuse-toi! C'est le fun! Ouais! Et le Français a gagné! Il l'a roi! Parce que sinon, le Faubourg Ramblas serait devenu Hampstead ou Westmount. Alors, dans toute victoire et dans tout gagnant, il y a une fête au village. Et donc, un grand défilé! Ouais! 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 Ah! Très balé par le paysan, donc! C'est ainsi! Et... village gay! On a vraiment assisté au premier défilé de la fierté gay! Et tous ces spectacles-là se finissent toujours par une grande toune vachement rassembleuse ici, entonnée avec cœur par tout le monde! Ah, YMCA. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Chantal. Donc, en tournée à Montréal jusqu'au mois d'août. Dans les 20 prochaines années. Parfait. Après la pause, on revient en attendant Ben Laden avec le laboratoire du fort et son paysan. Yeah! À la fin de la vie, je vais faire un sport ouvert. Dire à Albert Reeves, va le chercher le scalpel puis greffe-moi un coconut à la place de la vessie, parce que lui ici peut faire de la science, moi je peux pisser du pina colada. Jean-René Dufort et son laboratoire. Bonsoir, Jean-René. Qu'est-ce que tu nous fais péter d'en face ce soir? Non, mais je vous ferai rien péter, voyons non? donc. Je suis un garçon bien élevé. Mm. On va parler de glace sèche aujourd'hui parce qu'il y a énormément de pubs ces temps-ci de, quand on nous dit « Vous allez à la pêche au lieu d'apporter de la grosse glace et mettez vos truites dans de la glace sèche. » C'est bon. Ça coûte pas cher, ça se vend un peu partout. Il n'y a pas de fond d'eau parce que de la glace sèche, ça passe immédiatement du solide au gaz. Okay. Donc, ça n'a pas une glacière pleine d'eau. Et c'est très pratique, mais c'est aussi extrêmement plaisant à faire d'autres choses que d'utiliser. Ah oui. Donc, laissez faire les truites. On va avoir du fun avec ça. Ah. Premièrement, j'aimerais... Bon, de la glace sèche, ça se trimballe assez facilement. Là, si je comprends bien, le lien avec l'actualité, c'est que c'est la période de la pêche. Oui, puis il fait chaud ces temps-ci, bon, donc bon, c'est parfait. Toujours bon. Il y a pas de oui. Alors, la glace sèche, c'est souvent utilisé au cinéma pour avoir des méchants scientifiques. Oui, oui, oui. Oui, alors ça juste... provoque un peu, ça fait de la boucane, comme on dit. Oui, ça fait de la boucane. Alors, c'est pas compliqué, là, faire de la boucane. Mettez vos gants, là. Lunettes. Oui, oui. Vous faites juste, vous en prenez un petit peu, là, vous mettez ça dans le fond même, là. C'est vraiment super le fun. Puis, c'est pas très dangereux, là. C'est un peu dangereux. Mais faut pas là... toucher. Ça fait de la boucane. Comme ça. Et là. Faut pas toucher ça avec ça. Non, mais vous pouvez rajouter un peu de colorant. Oh, c'est beau. Puis là, vous voyez, c'est au cinéma. Je suis un méchant chimiste, je vais tout transformer en zombie. C'est très beau. Bravo. C'est ça fait du sketch. Oui, et... mais il y a aussi énormément de plaisir qu'on peut avoir avec... Vous pouvez rajouter du savon à vaisselle. Ça va être bon. On fait des ballons. Comme ça, là, ça va faire immédiatement... Oh, ben oui, c'est encore mieux. Là, vous recommencez. Ma potion magique est terminée. Alors... Ça, c'est assez passionnant. Ben oui, c'est bien, ça. Ça, c'est une variante avec les bulles. Oui, tu peux-tu me tenir ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va chausser l'en face. Ça. Oui. Moi, quand j'étais jeune chimiste, il y avait un grand plaisir dans les laboratoires. C'est qu'on taquinait les amis post-doctorat. C'est qu'on prenait un petit bout de... Attends, c'est de la glace sèche. Non, mais attends, ça, on voit rien avec ça. Pas bien. Moi, c'est rendu un geyser petit, ici, tout mais ça va. Beau. Comme ça, on prenait, je sais pas si vous le voyez à l'écran, ça s'appelle un Eperndorf. Mm-hmm. Ça, là, les biochimistes adorent ça. Tout votre ADN est là-dedans. Mais nous autres, on mettait pas, on prenait ça. Tu mettais un petit peu de glace sèche. Oui, tu mettais un petit peu de glace sèche comme ça dedans. Là. Puis, tu vissais comme ça. Et là, tu plaçais ça dans le merveilleux laboratoire de ton voisin. Chantal, tu peux-tu tenir ta main comme ça? Tiens ça comme ça, là. Puis, regarde, bouge pas. Non, tu peux... Ouais, comme ça. Alors, pendant ce temps-là, je vais expliquer d'autres choses. Ouais, non, ça bouge ça. Ça va bien aller. Je me recule là, j'ai de la glace sèche. Et puis, la soupe va être prête, ça sera pas long. Ouais, ça va être bien. Là. Pendant ce temps-là, je vais sortir les autres choses.
Ça va bien, Chantal? Mm-hmm. Oui, tu vas bien se placer. Non, non, alors, tu vas voir, Chantal, prends ton temps. Moi, j'ai quelques petites manipulations. Est-ce que je dépose ça, moi, ici, de mon côté? Je... Non, 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 ça va très bien. Mm-hmm. Alors, ça va toujours bien, Chantal? Mm-hmm. Oui. Oui, alors, tu vas voir, ça va continuer à bien aller. Oui. Donc, ça, c'est un gag que vous faisiez quand vous étiez... Oui, oui, mais ça donnait le temps de te sauver. OK. Ah, ouais, ouais. C'est super le fun comme donc, ça. Donc, en ce moment, tu es en train de... C'est de l'eau que tu mets dans... Non, je vous prépare une autre expérience qui est fantastique. Ça, au camping Sainte-Madeleine, vous allez avoir du fun avec ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est le bord de l'autoroute, ouais, là, c'est parfait, ouais, ça. Oui, 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 oui. Chantal, ça va toujours bien? Bien. Comme tu vois. Oui, oui, oui. Détendu, hein? Oui. Attends, tu vas voir. J'espère de ne pas perdre de virilité. On va te péter d'en face dans pas grand temps. Il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va prendre, vous avez tous vos gants? Oui. Oui. Alors, ça va bien. Tu peux le mettre dans ta poche, hein, si tu veux. Ah oui, ce serait pratique. Chantal, tu veux-tu le mettre dans ta poche? Ben oui, Chantal, dans sa poche. Chantal, dans sa poche. Mets-le dans ta poche parce que je vais te faire faire d'autres choses. Tu crieras dans quelques minutes. Pas de trouble. Non, je ne crierai pas. Alors, vous avez votre bouteille ici devant. Oui. Là, vous avez votre bouchon. J'aimerais que tu prennes ton bouchon, Chantal. Oui. Bon, vous allez voir ça. Souvent, on me reprochait. Jean-René, quand tu fais des bombes à Ben Laden, c'est dangereux. La kit, celle-là est vraiment plaisante et très rapide. Alors, vous allez prendre ça ici. Non, mais prends-en toi-même, tu es capable. Oui, oui. Alors, comme ça. OK. Non, prenez-en quand même. Prenez-en comme du monde. Comme ça. Là, vous en placez dedans. OK? Ouais. Comme ça. Vous en placez pas mal. Uh-huh. Et je là, t'habille, hein, je t'habille, vous fermez le bouchon assez rapidement, comme ça. Ouais. OK? Ouais. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et vous lancez ça comme ça. OK? Oui. Et là, vous allez voir. Oui, comme ça. Ouais. Alors, et là, vous vous sauvez en courant. Et là, la matin. La mienne. Hey! Bravo. Et elle n'a pas sauté? Non. Jean-René, est-ce qu'il se passe dans la poche de Chantal? Est-ce qu'il va arriver quelque chose? Non, on va lancer ça aussi parce que ça signe une crise. Alors, amusez-vous au camping, vos mononcles. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Au retour de la pause, c'est notre invité Yves Pépétier, le Bernard Voyer d'Hollywood, en attendant Ben Laden. Bravo. En attendant Ben Laden, on soulage nos vaches. Hey, de retour en attendant Ben Laden. Chantal, on a des remerciements avant de merci passer... Merci beaucoup, beaucoup. Oui. Le Parc Safari et le dromadaire Jérôme et le musée Stewart pour les deux formidables soldats. Ça s'appelle Jérôme? Oui, ça s'appelle Jérôme. Ah, c'est bien. C'est là qu'il était bloqué sur le pont. Ils ont bien fait ça. Merci d'être arrivé à temps. Alors maintenant, on accueille un humoriste et un cinéaste qui prévoit être une légende du showbiz d'ici une cinquantaine d'années. Mesdames et messieurs, le délectable Yves Pelletier! Bienvenue! On boit un petit drink, Chantal. On commence un rosé, on a su que tu aimais ça beaucoup. Ah oui? Oui, oui. Santé. Je savais pas quoi dire à la recherche, j'ai dit du rosé. Ah, mais bon. Parce que ça ne tâche pas les dents. C'est du vin rouge, ça tâche les dents, ça tâche les dents. Mais celui-là, il peut tâcher. Alors, bienvenue, Yves. Merci d'être là. Oui. J'étais en grande conversation avec Normand Lester et Jérôme Le Dromadaire. Ah, oui? Oui, oui, oui. On parlait de cheveux. Et les deux. Lequel qui avait la meilleure opinion? Et comment va ton été, Yves? Mais ça va très, très, très bien. Je suis en tournage ces temps-ci. C'est pour ça que je me suis coupé les cheveux. Tu joues dans un film? Non, une mini-série sur... je tiens le rôle principal, le rôle de Sébastien Benoît. Ah oui, non, c'est ça. La vie de Sébastien Benoît. Toi, j'ai la nouvelle coupe de cheveux. La série... Jean-Michel Dufour. La série des Vertes et des Pommes. Jean-Michel Dufour. Yves, on veut parler rapidement. Oui. Tu es toujours, évidemment, le porte-parole du fameux concours. Assez fabuleux, d'ailleurs, parce que le Move Media. Move Media que tu peux... C'est sur Internet. C'est un genre de course Destination Monde, mais sur Internet. C'est à travers le Québec. Il y a 6 concurrents qui font le tour du Québec. Ils envoient un reportage par semaine. Puis les gens sont invités à... C'est movemedia.com, mais pas Move, c'est MUVMEDIA.com. C'est très intéressant. Moi, j'ai visité le site. C'est des jeunes. Ils sont pleins de talent. Ben oui, ils sont bien. D'ailleurs, toi aussi, tu voulais... Est-ce qu'on en parle, la Destination Monde? Tu voulais rêver de faire ça, hein, la course Destination Monde? Oui, mais à l'époque, c'était au 20e siècle. Mais te rappelles-tu de ton audition?
Ah, oui, oui, oui. C'est parce qu'à l'époque, ils choisissaient des concurrents qui faisaient comme au téléjournal. Fait que j'avais filmé Bernard de Rome ainsi qu'un reportage du téléjournal. Je l'avais envoyé intégralement en disant « Je peux pas faire plus pareil que ça. » Cela dit, c'est pas pour dénigrer les journalistes de Radio-Canada qui font un excellent job, mais moi, j'avais plus une vision de cinéaste. Ah, non. Ils m'ont refusé, Pierre. Oh oui, ça s'est bien passé pour toi parce que tu t'es rendu ici sur notre sofa pour jouer à quelques arpents de Pelletier. Hey! Ouais! Sur ta vie, les garçons, ben sapez votre projet, si vous le savez. Oui, 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 je pense que ça a soigné beaucoup sur ce divan. OK, alors, catégorie champ électromagnétique, donnez le titre du dernier film de fiction d'Yves Pelletier. Camping sauvage, Basic Instinct 2 ou Les aimants? Les aimants. Exactement, c'est très bon, les gars. Il faut saper avant de donner la réponse. Très bon film. On a fait un sondage rapide. 100% des filles du bureau ont capoté sur Les aimants et se peuvent plus de voir le prochain. Et toi? Bien, je suis en écriture, mais comme tu sais, ces temps-ci, le cinéma québécois, ça va très, 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 très bien. Oui. Alors, je compte financer ça d'ici 2012. C'est la voto. Non, mais je suis en écriture, là, donc peut-être dans un an et demi, deux ans. Pour ça qu'on te remercie d'être ici. Oui. Mon petit n'est pas baptisé, je vais l'appeler Yves en revenant. Oui, OK. Catégorie déplacement, les garçons. Quel type de voiture possède Yves Pelletier? Bien, moi, je dirais aucune. Non, il n'y a pas de voiture, Yves. Non. Il est écolo. Mais pourquoi tu ne conduis pas, Yves? Ben c'est justement... je suis écolo, puis... Mais t'es un gars! Ah! Je suis un gars. Non, mais j'ai pris des cours de conduite, mais malheureusement, je trouve ça plat. T'as ton permis? Oui, j'ai pas mon permis, mais je sais conduire. OK. C'était drôle, d'ailleurs, sur Camping sauvage, je conduisais une moto. Oui. Tu sais, genre, la clutch, puis tout, là, devant à peu près 100 pètes de figurants qui se foutaient de ma gueule, là, parce que je... En plein milieu d'une prise, tu sais, je calais en plein milieu de... Mais totalement d'autres talents, comme tu vas participer à une émission à l'automne prochain à Radio-Canada, une émission culturelle, un magazine culturel, fait qu'on va faire un petit tour, un survol de ta culture générale, OK? OK. On va commencer par théâtre. À quelle pièce Marcel Leboeuf est-il associé? Corking, parking, necking ou bowling? toutes ces réponses. Mais surtout bowling, qui fait un grand succès, même repris à King's Fall. Cinéma. Bon, c'est pas fort, là. Quelle actrice faisait 73, 32, 36 a été la vedette de Super Nichon contre Mafia et Mamelle's Story? As-tu des choix de réponse? Suzanne Lapointe. Donc, comment s'appelait, Yves? Pense-y. Comment s'appelait? Chesty Morgan. Chesty! Ah oui, 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 mais oui! Ah, oui. Non, mais c'est parce que je la connais sous son vrai nom, moi, pas son nom d'artiste. Okay. Littérature. Qui a écrit Le fantôme de Lady Margaret et Dors, ma jolie? Oh! Ça, c'est Victor Lévi-Beaulieu. Mary Higgins Clark. OK. OK. Sculpture, nommez le compagnon de Gumby. Pouki. Ah, c'est bon. Bravo. Ah, c'est bon, OK. Musique. Selon Garou, où les Gitans ont-ils la musique? Ah, c'est quoi le nom de son bande? Gitans. Gitans. Mais comment Gitans? Dans le sang, Yves. Danse classique. À qui appartient ce paquet qu'on va te montrer ici à l'écran? Un paquet? Oh, le paquet d'un danseur. Oh, OK. Oh, oui, c'est à qui, ça? C'est un paquet célèbre. Ça, c'est... comment il s'appelle? Celui qui jouait dans la série d'Anne-Marie Lozic, là? Le nez? Ah oui, Paul Cagelet. Paul Cagelet! Bien, c'est le même format, mais c'était quand même celui de Rudolf Nureyev. Oh, spectaculaire. Oui. OK, cinéma. Que doit-on dire du dernier film de Claude Lelouch quand tu vas parler? A, que c'est son film le plus personnel, ou B, que tu aimerais mieux chier des plots d'épingle plutôt qu'aller voir ça? Il n'y aura pas de critique dans l'émission. Non. Donc, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. Fait que tu vas passer un après-midi à aller voir un Lelouch. Hein? Ben oui. Oui. Quoi, t'aimes pas ça? Pas les 12 derniers. Mais ça prend des gravoles. Ça prend des gravoles, ça tourne tout le temps. Mais lâche la patate, lâche la patate, Chantal. Il y a des belles choses dans la vie. Oui, mais j'aime mieux ma patate. Je garde mon tête, puis j'aime mieux ma patate. À quel acteur barbu, toujours dans le cinéma, associez-vous les films Le flic de Shanghai et Delta Force? Oh. Et boy, Bud Fraser? Chuck Norris. Chuck Norris. Mais je savais que tu savais. Qui a chanté en musique? Wanna hamburger, moutarde relish, puis il était lousse quand il était sous. Do you want a shot? Yes, why not? Yann, 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 yann. Un indice, c'est québécois. C'est facile. Ça, c'est Jean Lapointe. Hey, oui. C'est excellent. Bravo, oui, c'est ça. Très bien. Il la chante toujours. Oui. On va faire peinture en rafale, OK? Le gars qui fait les montres molles. Hein? Le gars qui peint les montres molles. Salvador Dali. Ah, oui, voilà. Le fou qui s'est coupé une oreille. Van Gogh. Le nain qui aime le French cancan. Paul Cagelet. André Duchamp. Okay. Celui qui est couché à cette heure-ci, c'est parfait. Oui. Celui qui fait des faces carrées avec deux nez, trois yeux. Ben, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup.
dont Picasso. Mm-hmm. La fille avec un gros sourcil. Daniel Ouimet aussi. Ouais. Ben, elle essaie de les faire comme du monde. Mais... Et l'albinos qui faisait des cannes de soupe. Ah, Andy Warhol. Oui, ah, oh, ben c'est dommage. Bravo, ben, je passe le test. Préparé toute la de toute façon, il est engagé, mesdames, messieurs. Ben, c'était Yves Pépeltier. Bon, merci à tout le monde. Je Yves Pépeltier. Bon baiser de France, suit dans un instant. Et la semaine prochaine, de notre invité, c'est Patricia Paquin. La semaine prochaine, merci. Dans le dictionnaire, en tant que verbe. Alors, c'est ainsi qu'on pourra décliner tous en chœur hein, l'indicatif présent. Nous googlons, vous googlez, il google. Alors, ben, plus près de nous, il y a un effet, c'est un fait qui est moins connu. Il y a d'autres verbes qui feront leur entrée dans le dictionnaire. Alors, c'est le cas du verbe récéfaire. Ah, récéfaire. Ah, oui. Bon, ça, ça va donner au présent du subjonctif. Que, ben, facile, que je reste faire, que nous restions faire, que vous restiez faire. Également de la populaire expression « de que sais-tu fais à soir ». Alors, naîtra le très, très beau verbe « de que sais ». Alors, verbe qui se déclinera ainsi au présent, « je de que sais que », « tu de que sais que », « il de que sais que », « nous de que sais que sont », »,« vous de que sais que c'est », »,« il de que sais que c'est ». Bon, enfin. C'est pas facile. Bref, c'est une excellente nouvelle pour les amateurs de Scrabble, mais une mauvaise pour Peter McLeod. Alors, on le sait, le milieu du cinéma québécois, par ailleurs, est en plein tourment depuis quelques semaines. C'est abondamment dans les journaux, on en parle. Même Robert Lepage a abdiqué devant le manque de fonds en mettant la clé dans la porte de sa compagnie de films. Alors, pour discuter de cette épouvantable crise financière, nous retrouvons en exclusivité Denis Arcand qui erre présentement quelque part. Denis, vous êtes où en ce moment, M. Arcand, là? Vous êtes où, là, extérieur? Eh bien, Pierre, comme vous le savez. Qu'est-ce qui se passe? Et M. Charest, calmons-nous, a été pris d'un mal qui est très populaire. Il y a le mal du politicien en vacances. C'est-à-dire? Mais qu'est-ce pas en vacances, c'est? Plutôt en voyage. Oui, on mélange. Il travaille, non, c'est vrai. Alors, les politiciens en voyage ont souvent tendance à se lâcher lousse et à dire des choses que normalement ils ne disent pas ici parce que, bon, ici, les journalistes... La pression est moins forte! Ben oui, puis les journalistes les connaissent et puis ils sont moins stressés d'être devant un journaliste qui ont l'impression qu'il veut les planter. Mm-hmm. Donc, ils s'ouvrent et ils disent ce qu'ils pensent. Trop détendu. Et c'est pas le premier, d'ailleurs. Ah ça, non? C'est... Non, 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 qui a fait ça. Si vous vous rappelez, ton ami, Robert Bourassa... Ben oui, mon pantard. Oui, oui, en 1992, Robert Bourassa... Non, parce que en tout cas, c'est pour ma promotion, là, c'est Yves Pelletier, notre invité. Oui, oui. Bon. Alors, Robert Bourassa, à Bruxelles, qui avait évoqué la possibilité d'un référendum et d'un Québec indépendant, on écoute... Spontanément. Ben oui. Une souveraineté partagée, c'est-à-dire une souveraineté dans un cadre confédéral. Oh, ouais. Ah, ça se laisse aller, hein, la liberté en voyage. Et là, il y en a d'autres. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le premier ministre japonais, M. Koizumi, qui a imité en voyage Elvis. C'est comme Elvis Wong devant George W. Bush. Il était à Memphis, donc il était pas chez lui. Regardez, il est en voyage. Puis, oh, je suis en voyage. Détendu, ce monde-là, puis ça grisonne. Hein? Oh, bravo. Mon Dieu! Qui vous souhaite la bienvenue à En attendant Ben Laden, votre divertissement hebdomadaire sur l'actualité et la vie. Et avec moi, mes amis, mes collaborateurs, Jean-René Dufort en forme. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est en forme? Je suis né en forme. Ben excellent. Et Chantal Lamarre en forme. Ah. Les gars, je dors en forme. Je ne ronfle pas, je ris. Ah, c'est superbe. Alors, place aux variétés Brassard. Ouais. Je suis plus lus,
jusqu'au Japon, je suis en voyage. Pour une fois, George W. Bush, je suis presque aussi mal à l'aise que lui. Oui, les Presley en arrière. Il y a eu Jean Chrétien qui est un champion de la slacker en voyage. Oui, oui, oui. On peut le voir ici avec le premier ministre de Chine. Ça y est, bon, il découpe. Là, hop, on va faire une petite joke de voyage. Mais il sent quel pompon sur la tête. Hop, alors c'est lui qui devrait te porter. Mais non! Quel blagueur! Et le, moi, selon moi, la palme du politicien en voyage qui se lance lousse, c'est George Bush, père. Ah, le père de... Ben oui, il avait ni plus ni moins que vomi sur le premier ministre japonais. C'est en 1992 que ça se passe. Et là, vous voyez George Bush qui se lève en disant « Wow, je suis correct, il n'y a pas de problème. » Il va être pour ça. Non, non, mais ça, non seulement il était applaudi, mais cet incident diplomatique-là du premier ministre qui se fait vomir dessus par un président a donné lieu à la création d'un nouveau mot au Japon qui est « bushuru », qui veut dire « vomir sur quelqu'un ». Ah oui, « vomir sur quelqu'un ». Une création d'un nouveau mot. Alors, la mairesse Boucher, qu'on s'énerve qu'elle est en France, c'est la seule qui reste normale, qui est aussi « weird » en voyage qu'au Québec. Oui, oui, elle a une bonne moyenne. Oui, merci beaucoup, Jean-René. Hey, bravo! Et parlant de nouveaux mots, alors il y a une grosse nouvelle dans le monde de la langue cette semaine. En fait, on apprenait que le moteur de recherche Google fera son apparition dès cet automne. Dans... Nouvelle sur la scène provinciale, ben c'est dimanche dernier que se tenait l'investiture d'André Beaubonhomme-Boisclair dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles-les-Bains. Alors cet événement passionnant qui aurait dû attirer les foules les a au contraire fait fuir, comme en témoignent ces images. Malheureusement, les gens de Pointe-aux-Trembles se sont plutôt rués vers les cafés et les écrans les plus près afin de regarder la finale de la Coupe du monde. Donc, c'est un Boisclair plutôt penaud qui s'est retrouvé seul à son couronnement suite à cet abandon massif. Des images magnifiques tournées par le docteur Régent Thomas le prouvent en ce moment. Et pourtant, M. Boisclair venait d'apprendre une excellente nouvelle provenant de Paris. Et ici, là, je ne parle pas du fou rire des Français devant les tenues de montgolfière dégonflées de la mairesse Boucher, mais bien sûr des succulentes déclarations de Frisou Charest. Et pour nous donner plus de détails sur les dites déclarations, Jean-René Dufort! Oui! Bonne semaine! Ben oui, bonne semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean Charest? Est-ce que c'est le décalage? Mais il a déclaré ceci. On écoute. La question aujourd'hui, en 2006, n'est plus de savoir est-ce qu'on a les moyens financièrement, est-ce qu'on serait... Oui, nous avons les moyens. Ça, personne ne remet en question. Ouf! On a les moyens, alors, c'est pas...